Coucou Cléa, comment ça va? Coucou Bastien, la patate. La patate. Je reviens d'une tournée en Belgique. Ah ouais, ça a bien marché en Belgique? Ça a trop bien marché, on a fait 8 dates d'affilée, touk touk touk, en coplateau avec Laure Briard et Camille Bénat. On était à bord d'un véhicule, le même, et on allait de ville en ville. On jouait dans des endroits plutôt petits. Et c'était vraiment super chouette, on a adoré, on a joué donc dans quelques villes de Belgique et aussi en Hollande, donc ça c'était mortel. Attends, mais justement toi qui chantes en français, tu parles la Belgique où j'imagine que c'est quand même plutôt francophone, ouais, et en Hollande du coup, quel est l'accueil de cette chanson française en Hollande? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question ça. Vachement bonne. Alors je t'avoue, ce qui était un peu étrange, c'est qu'au moment où on est arrivé dans le bar, pour nous faire plaisir, ils nous ont mis Zaz. Ouais, super. Voilà. C'est mieux que Carla Bruni, on va dire. Et donc, pour eux, c'était ça la France, quoi. Donc, ils ont mis du Zaz et c'était très marrant de chanter une musique qui est très différente de celle de Zaz. Et en fait, ils ont vachement aimé. Je crois que Paris, ça leur évoque, tu vois, le romantisme. Ils aiment bien la langue française. Et à un moment, pendant que je chantais une chanson, il y a une fille, elle est venue avec une petite pancarte. Il y avait marqué Stromae. Il y avait les paroles de Formidable. Elle voulait que je chante. Merci à Stromae, du coup, voilà. Pour te faire connaître éventuellement à travers les frontières françaises. Ça m'a fait rigoler. Bon. Donc voilà, il y avait Zaz et Stromae, c'était un peu les références de la Hollande, mais malgré tout, ils ont vachement aimé notre musique, ils nous ont grave acheté nos CD et tout, et on a passé un super bon moment là-bas. Bon, bah en tout cas, je te remercie de passer ce super bon moment avec moi, parce que du coup, moi, depuis que j'ai découvert ton album, Retiens mon désir, qui est sorti en octobre, hein, c'est ça? Le 6 octobre. Bah, franchement, il est quand même assez formidable, ça a pris du temps que je te rencontre, mais finalement, on se voit, et j'ai quand même pas mal de petites questions à te poser. La première, c'est qui es-tu, Cléa? D'où viens-tu? T'es parisienne? Je suis parisienne, j'ai grandi près de la Porte Maillot, précisément, ouais. qui est une espèce de bateau géant, hôtel de luxe. Et j'ai grandi par là, dans ce quartier, et voilà, j'ai toujours fait du piano dans ma jeunesse. Tu as appris à l'école, une école de musique, au conservatoire? Ouais, j'ai appris à l'école de musique, exactement, au conservatoire, puis dans une école de jazz un petit peu plus indépendante dans la façon d'enseigner, qui est très très chouette, qui s'appelle l'école Arpège, qui est rue des Petites Écuries, je sais pas si tu vois, vers Strasbourg-Saint-Denis. Rue des Petites Écuries, mais je connais pas du tout l'école, non. C'est une petite école, mais qui est vraiment, une petite école en termes de nombre d'élèves, mais j'ai eu des profs extraordinaires qui m'ont vraiment sensibilisée au jazz et aussi à la bossa nova. J'ai eu un prof qui s'appelle Philippe Baden-Powell, qui est, figure-toi, le fils de Baden-Powell, le guitariste brésilien. Ouais. Une chance qu'il soit à Paris, qu'il ait envie de donner des cours comme ça, mais des cours à 36€ de l'heure, tu vois, c'est pas non plus un truc de fou. Donc j'ai appris quelques rudiments de bossa avec le fils Baden-Powell, quoi. Alors attends, tu fais une formation musicale au piano, ensuite tu fais un peu de jazz, un peu de bossa nova, mm-hmm. et tu te mets à faire la chanson française par la suite? Oui, parce que j'avais besoin de m'exprimer, simplement. Clairement, j'avais envie de dire des choses. De t'exprimer, oui, avec les mots, avec l'écriture, avec des mots, ouais. Exactement, je trouvais que la musique sans phrase, il manquait de clarté dans ce qu'on a envie d'exprimer. Et voilà, il y a eu un moment dans ma vie, j'ai eu un déblocage, j'ai eu envie d'écrire des chansons pour exprimer mon amour, pour exprimer Le déclic s'est fait à quel âge du coup? 20 ans précisément. À 20 ans, c'est quoi, suite à une rupture amoureuse? Exactement, suite à quelqu'un que j'ai d'inaccessible, avec qui j'ai pu explorer la passion, l'amour platonique, tout ça, c'était super passionnant. À 20 ans, j'étais encore complètement, je découvrais l'amour, quoi. Avant ça, je sais pas. Bah ouais, bon attends, c'est un peu intimidant, on va pas parler d'amour tout de suite toi et moi parce qu'on se connaît pas. Mais, c'est ça. Mais justement, c'est de là que devient le titre de l'album, Retiens mon désir. C'est que tu veux le retenir, ce désir? Oui, Retiens mon désir, elle est venue un petit peu après 20 ans. Et c'était plus sur la question du couple, du désir, de garder la flamme entre deux personnes quand ça fait longtemps qu'on se connaît, tout ça. C'était ce sujet-là que je trouve universel et plein de mystères. Alors, et ta musique? Donc tu t'es mis à écrire des textes,
que tu as mis ensuite en mélodie avec ton piano. Tout à fait. Et ça s'est passé comment, du coup, la montée sur scène, quand tu as les premières fois tu exprimais avec ces mots sur scène devant un public, qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très intéressant, c'était un mélange. Parce que c'est vachement intime quelque part, j'imagine. Alors oui, voilà, c'est ça, c'est très intime. C'était un mélange de peur, parce que t'es vraiment en train de prendre un énorme risque quand tu joues devant des gens pour la première fois. Tu t'imagines la sensation. Moi petite, à chaque fois, tu sais, t'avais les auditions de conservatoire où il fallait jouer devant tout le monde et tout. À chaque fois, ça me tétanisait. Mais là, c'est des examens, c'est quand même différent. C'est pas du tout naturel, exactement. Ouais. Et là, d'un coup, c'était de mon plein gré. Je montais sur scène et j'exprimais quelque chose. C'était très, très fort. Et là où, ce qui est encore plus beau dans cette première fois où je suis montée sur scène, c'est quand je suis sortie de scène, j'étais évidemment complètement ébranlée parce que c'était une vraie épreuve que j'avais traversée. Et il y a Kim qui était présent ce jour-là. Ouais. Et c'est lui qui est venu, entre guillemets, me récupérer, me dire « Mais c'est fou ce que tu fais, ça ressemble à tel truc. » Il m'a parlé de Dick Enegarn, il m'a parlé de jazz et tout. Et tout de suite, j'ai trouvé une sorte de jumeau de musique. Et depuis ce jour-là, avec Kim, on a cessé d'écrire des chansons et de oui, faire parce que vous travaillez ensemble et vous jouez aussi, vous montez sur scène ensemble maintenant. Exactement. Donc Kim, ça a été ma première... C'est un peu ton parrain, quoi. Exactement. Je l'appelle même mon mentor, tu vois. C'est quelqu'un qui m'a montré beaucoup de choses en musique, beaucoup de choses dans la façon de rester très fort, de toujours garder le fil. Et donc ça a été une rencontre très très puissante qui a eu lieu donc le premier jour où je me suis produite sur scène. Et ensuite j'ai rencontré Raphaël Léger, avec qui j'ai fait des disques après, donc qui est en fait mon c'est mon complice vraiment d'écriture. Exactement. Lui aussi c'est une rencontre très très importante dans ma vie d'artiste. Mais ce premier concert de ma vie, je m'en rappellerai toujours. Alors il était où ce concert? Au Popine. Et alors, je me posais la question justement parce que je crois que j'y étais, parce que ça me parle justement. Non. Parce que très personnellement, je t'ai jamais vu sur scène, jamais eu l'occasion. On s'est croisé vite fait au Mama, on s'est croisé à d'autres moments, à d'autres festivals ou d'autres concerts, mais j'ai jamais eu l'occasion de te voir. Et je crois justement t'avoir vu au Popine. Parce qu'en venant sur le chemin, j'ai un peu lu à droite à gauche ce que tu faisais, ce qui tu étais, et je me suis rendu compte qu'effectivement, ta première scène était au Popine. Et je crois que j'étais là. Effectivement, c'était très intimidant, mais je pense pour le public aussi, parce qu'il y avait un côté très intime dans la démarche. C'est drôle. Bon, la salle est très intime aussi, elle est petite, mais... C'est drôle, c'est marrant parce que la dernière fois, parce que depuis, je retourne régulièrement à la scène ouverte, parce que c'était à la scène ouverte du dimanche soir. Enfin, il y a eu deux choses. Il y a eu mon premier concert officiel au Pop-In, qui était vraiment... C'était il y a combien de temps? 2011. Bah ouais, je pense, je pense que j'étais là. C'est fou. Parce qu'il y avait déjà, on va dire, un petit buzz autour de toi. Hein. Oui, la salle était bien pleine parce que j'avais fait plein de scènes ouvertes avant et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que je suis retournée à la scène ouverte et j'ai vu une fille, elle jouait pour la première fois de sa vie. Elle jouait ses chansons sur scène, elle s'appelle Sandra. Je peux pas vous dire son nom de famille, mais ça m'a émue, un truc de ouf. C'était trop beau ce qu'elle a fait et ça m'a remis dans cet état émotionnel vachement intense où tout le monde te soutient aussi. Il y a une espèce de communion qui se crée quand c'est la première fois. Ah ouais. Enfin voilà. Alors surtout que, alors toi, comme je disais, il y a eu déjà quelques effets de buzz autour de ton nom, mm-hmm. autour de ta musique, et ça a très vite fonctionné parce que très rapidement, tu as été signé par une très grosse major. Et mais il y a quelque part, il y a une sorte d'erreur de casting parce que t'as rien sorti avec eux, si non. je me trompe pas. J'ai rien sorti avec eux, j'ai pourtant enregistré un disque. Et c'était trop rapide, j'imagine. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le directeur artistique, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a découvert notamment toute la French Touch, Air, Phoenix, etc. Il les avait signés en premier à l'époque chez De Labelle. Il avait signé la chanteuse Camille aussi, et c'est quelqu'un de très avant-garde. Donc il a eu un coup de cœur pour mes chansons. Sauf que, à mon sens, c'était un petit peu tôt. J'étais quand même vraiment à mes débuts, tu vois, j'avais fait peut-être 15 concerts, c'était un peu... Selon moi, c'était un petit peu prématuré. Et j'avais pas encore vraiment l'armée que j'ai aujourd'hui qui me... Parce que voilà, faut pas se leurrer, on est une vraie team, on est 5-6 à construire ça, à construire ce clé avançant. C'est ça, et à l'époque, j'étais vraiment seule
seul au monde, quoi. Donc je suis arrivée chez Polydor, je t'imagine même pas à quel point j'étais intimidée et tout par... Tu vis ça comme un échec ? Pas du tout, je vis ça comme une chance parce que... Une bonne expérience, quoi. C'est une très bonne expérience. J'ai pu faire un disque avec des gens super. Ce disque n'est pas sorti, mais les gens super, ils sont toujours là. Et puis, surtout, ça m'a appris vachement de choses, quoi, sur ce que c'est que le milieu des majors, voilà. Et puis, surtout, je pense que je suis de nature tellement aller de l'avant, quoi. Je suis pas du tout du genre à m'apitoyer sur mon sort ou quoi. Quand il m'arrive une épreuve, en fait, limite, ça me rend heureuse. Je me dis « Yes !» Comment je vais faire pour me sortir de cette merde? Bon bah justement, tu vas de l'avant, t'as ton album qui est sorti il y a 4 mois maintenant. Ouais. Alors c'est quoi la suite? Tu prépares déjà le deuxième? Oui, alors je prépare donc un deuxième album, tout à fait. Toujours avec Raph Alight, ouais. Raph Alléger. Dès qu'on peut, on s'isole pour composer et continuer. On a pas mal de morceaux déjà plus ou moins écrits, donc il faut les arranger et tout. Et on prépare aussi une petite surprise pour le Discord Day. Ah oui. Et donc j'en dirai pas plus. Mais ce sera un format court de chansons qui sont écrites par moi. Mais comment expliquer? Je voudrais pas non plus trop divulguer, mais en gros. Bah non, mais on entendra au Discord Day. Qui ont une thématique. Voilà. D'accord. Parce que justement, tu préfères rester indépendante. Si tu es proche du Discord Day, tu fais cette démarche pour le Discord Day. C'est que tu as une vraie volonté d'être indépendante, c'est ce qui te convient le mieux aujourd'hui. Ah, c'est vraiment ce qui me rend le plus heureuse. Hein. Qu'est-ce qui te vient dans l'indépendant, justement? Ce qui me plaît, c'est déjà le tempo, parce que quand tu es en indé, tout va plus vite. T'as pas 50 000 personnes dans ton label qu'il faut consulter pour faire ci ou ça. Label indé, j'appelle Victor. Victor, je veux sortir un disque pour le Discord Day. Ou Victor, Cléa, est-ce que ça te dirait sortir un disque pour le Discord Day? Oui, crac, on fait les morceaux, bim, on les sort. Ça, c'est vraiment jouissif de travailler comme ça en fluidité totale. Et ça, c'est une chose. Et puis je crois aussi que j'ai un petit... J'aime bien... comment expliquer ça? J'aime bien travailler avec... Quoi, la liberté créatrice Non, je dirais plus... en connexion, en fait. J'aime bien être ancrée, être sur le terrain. Être dans le concret. Maîtriser ouais. Les relations avec les gens et tout ça. Et puis voilà, par exemple, les trop grosses entreprises, moi ça m'effraie. Je préfère que les réunions se passent dans des. Enfin voilà. Tu préfères le rapport humain, non pas qu'il n'y a pas de rapport humain dans les majors. Exactement. Mais justement, j'imagine que le rapport humain, tu le vois maintenant sur scène. Donc là, tu continues ton tour, maintenant après la Belgique. C'est quoi les dates qu'on va avoir? Il y a le 12 avril à la Gaîté Lyrique. 12 avril à la Gaîté Lyrique. Il y a aussi, on va jouer pour un festival qui est organisé par Petit Bain le 16 février. Donc c'est dans 2 semaines. Ouais. 16 février au Petit Bain. Et ensuite, il y a notre grosse Gaîté Lyrique. On est hyper impatients. J'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Et puis il y a plein de dates. En fait, je vais annoncer toute la liste de dates demain ou après-demain. Bon bah on va rester au courant, on va rester connecté. Il y a Rennes, il y a Lyon, on va venir te voir sur scène, ouais. Venir te voir sur scène parce que justement il y a quelque chose de vraiment sympa en ce moment qui se passe dans la pop française, on va dire. Ben c'est toute cette scène féminine, hein. Non pas pour cataloguer, mais il y a Fishback, il y a Juliette Armadé, et puis il y a toi. Vous portez une sorte de vent de fraîcheur, une musique qui est naïve et dans le sens noble du terme. Tu travailles avec ces personnes-là, tu le vois comme ça, le côté un peu, pas féministe, mais féminin de cette musique aujourd'hui? Alors j'ai du mal à mettre un sexe à cette musique, surtout quoi, c'est trop marketing, c'est les médias qui en parlent en fait, et ouais, que voilà, vous ne ressentez pas comme ça. C'est vrai qu'ils nous rassemblent parce qu'on est des filles, mais je crois aussi qu'il y a le style musical. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'admire énormément le travail de toutes ces nanas à qui je suis assimilée. Je suis mise un peu dans un panier... de nana, mais je suis assez fière parce que j'aime leur travail à toutes. Juliette Armanet, Fishback, Laure Brouillard. Il y a Junior aussi. Junior, c'est hyper bien. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est une vraie, il y a une vraie qualité musicale, donc je suis assez flattée. Après, le côté on range les filles ensemble, c'est un peu étrange. C'est machiste peut-être, non? Oui, mais après tout, pourquoi pas? Je veux dire, si on laisse une grosse place aux femmes comme ça et qu'on respecte leur travail, moi je dis ouais, pourquoi pas? Les femmes se sont battues pour ça. Mais alors justement, moi, si demain je dois décrire ta musique, je vais utiliser des termes, des noms comme France Gall ou Vanhoorix Sanson,
parce que c'est ce qui te rapproche le plus. Et puis effectivement, j'imagine que c'est la chanson que tu aimes et que tu écoutes, le côté Michel Berger, mais en plus remis à un goût de modernité d'aujourd'hui, avec un peu plus d'unfloor, plus électro. Toi, comment tu définirais ta musique justement? Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire un ancrage chanson, variété française, Gall, Berger, Sanson. Parce que voilà, c'est dans notre culture. En France, on a écouté ces chansons-là, la radio, les disques de nos parents et tout. Donc il y a cet ancrage bien français avec bien la chanson. Mais néanmoins, on s'extrait du guitare avec deux accords et machin. Parce que nos idoles, c'est aussi toute la French Touch, Dancefloor, Phoenix, Air, Daft Punk. C'est vrai qu'il y a quelque part dans tes mélodies au piano un côté un peu Daft Punk de... Et Sébastien Tellier aussi. Ouais, ouais, c'est vrai, on l'entend parfois dans les structures de d'accords. Ah, complètement. Ouais. Alors, j'ai pas essayé de l'imiter en repiquant ses parties, jamais. Mais il est probable qu'il ait une formation de jazz et que des fois, je tombe sur des accords qu'il utilise, un truc comme ça. Mais c'est une sorte de heureux hasard que je me retrouve un peu dans cette famille de pianistes, quoi. Et alors justement, toi qui aimes le jazz, qui a fait un peu de jazz, c'est quoi les artistes d'aujourd'hui ou d'hier qu'il faut absolument écouter, qui te touchent et qui t'interpellent? Alors en ce moment, tu vas rigoler, je me suis mise à écouter plein de rap français. Alors c'est quoi, c'est plus du PNL ou du IAM ce que t'écoutes? Tu connais Vald? Bien sûr, ouais. Voilà, bah, je suis tombée dans son filet. Et lui, c'est une branche à part quand même dans le rap français, on va dire. Ah ouais, mais je sais pas, j'ai pris une énorme claque, c'est la dernière grosse claque que j'ai prise en musique. Et sinon, ce qui est marrant, c'est que je te coupe, mais Fishback m'a dit exactement la même chose. C'est pas vrai? Ouais, elle m'a dit exactement la même chose. Ah, c'est fou. Qu'elle est passionnée de Vald, parce que c'est un vrai showman. Ah, c'est dingue. Dans son comportement, dans sa manière d'être, et ça change justement de ce qu'on entend du Jules ou du PNL avec les vocodeurs. Mais j'aime beaucoup Jules, hein, quand même. Hein. Ah oui. Bon, je sais qu'il divise énormément. Bon, ça c'était la petite rubrique rap français, parce que c'est pas ce que j'écoute habituellement. Et là, je suis tombée dans le panneau. Et jazz? Sinon, alors j'aime. Moi, j'allais plus te parler de. Oh zut, La Femme, évidemment. Ah oui, d'accord. L'album de La Femme que j'ai adoré. Et puis, il y a plein de groupes français que je trouve mortels en ce moment. Et sinon, au niveau jazz, là, je suis en train d'écouter en long, en large et en travers. Travers Ahmad Jamal. D'accord. Qui est un pianiste, donc il est en solo. Et en fait, on m'a offert un fan adorable que je connais en fait, qui était mon voisin quand j'habitais en 13e. Il m'a apporté un coffret énorme avec que des disques d'Ahmad Jamal. Et j'écoute ça en ce moment tout le temps. On écoutera alors, on écoutera pour se rapprocher de ton univers et de tes musiques. C'est bon, génial. Je t'en remercie, Cléa, pour ce verre. Ah bah Bastien, c'était un plaisir. Et j'ai hâte de te voir sur scène, du coup, bientôt. J'ai hâte d'entendre la suite. Et je t'en remercie parce que vraiment, c'est vraiment sympa ce que toi, tu peux faire et que toutes ces autres filles aussi peuvent faire actuellement. C'est vraiment cool. Et il y a plein de garçons qui font des. Et il y a plein de garçons, oui. Il y a La Femme aussi, en parlant de filles, justement. Mais ouais. Au-delà de ça, c'est vraiment sympa. Il y a Jacques, Flavien Berger aussi. Puis il y a plein de groupes mortels en ce moment. Et puis il y a Kim, bien sûr. Et il y a Kim qu'il faut justement bien écouter parce que je pense qu'on n'écoute pas assez. Ouais, il y a Kim qu'il faut pas l'oublier parce qu'il a des chansons extraordinaires et puis enfin je sais pas, il y a plein de filles et de garçons qui font des super morceaux, donc n'hésitez pas à soutenir la musique française. Ouais. Et ben sur ces bons mots, je te laisse là. Merci Cléa, à une Sébastien. Prochaine.